surtout, c'est que... Merci.
en 1934-35 par le bureau d'études de la petite firme de Glass Aircraft basée à Los Angeles. Encore une, c'est incroyable, ça, la moitié des films de l'histoire du cinéma sont de Hollywood, et ben, la moitié des avions de l'histoire de l'aviation, des avions avec une certaine stature, on va dire, viennent de la région de Los Angeles. Le DC-3 était fabriqué par l'équipe de Donald Douglas, et Donald Douglas, c'est un ingénieur d'origine new-yorkaise qui en avait marre de la grisaille et de la pluie et qui avait décidé de s'en aller vers l'ouest, go west, normalement. Il était parti en Californie avec sa femme, ses deux bébés et son chien, et un capital de $550 arrivé à Los Angeles, c'était le début des années 20. Arrivé à Los Angeles, il avait loué une ancienne boutique de coiffeur et sur le fronton, il avait peint Douglas Aircraft Corporation. Et donc, avec le chapeau de Canadien. Et donc, Donald Douglas s'était mis à dessiner des avions et il en avait réussi quelques-uns. Avant que, dans les années 1930, une rencontre avec Jack Fry, qui était le président de TWA, me lance dans le dessin de cette machine. C'était le début des avions tout métalliques et Douglas avait été aidé par un véritable génie qui s'appelait Jack Northrop, pour dessiner une aile qui était tellement solide que, vous voyez cet avion, vous prenez une des ailes de l'avion, vous la posez par terre et vous faites passer un rouleau compresseur sur l'aile et après, dans l'aile, elle est un peu cabossée, mais elle est pas fessée, tellement elle est solide. Donc, ils avaient dessiné en utilisant des concepts d'architecture en matière de structure métallique, des concepts qui, à l'époque, étaient révolutionnaires. Ils avaient accroché deux moteurs sur les ailes, un moteur Pratt&Whitney de 1100 chevaux chacun. Et puis ils avaient à l'intérieur, ils avaient mis même 4 sièges, plus deux pilotes devant, et ils avaient mis ce qui était à l'époque complètement révolutionnaire, ce qu'on appelait un galet, un petit office, pas une cuisine, un truc où il y avait de quoi faire chauffer de l'eau, où il y avait de quoi faire réchauffer quelques petits trucs à alimenter. Et donc, avec le DC-3, dans les années 1936-37, était né aux États-Unis le transport aérien. C'est le premier avion sur lequel les compagnies d'assurance ont accepté d'assurer des passagers. Et ça, c'était le signe que quelque chose avait changé. Puis la guerre est arrivée et on s'est rendu compte que cet avion, le DC-3, était un camion volant phénoménal. Donc il en a été construit plus de 12 000. Qui ont servi sous des noms divers, alors C-47, C-53. Les Anglais ont appelé ça le Dakota, leur manière à eux de renommer en général les avions américains avec des noms propres. Et puis après la guerre, eh bien, il s'est trouvé littéralement des milliers de ces avions alignés sur des aérodromes poussiéreux et sableux, en particulier en Arizona où le climat est très très sec et où les avions pouvaient être stockés à l'extérieur sans risquer la corrosion. Et là, toutes les compagnies aériennes du monde sont venues faire leur marché. Et en particulier, partant d'ici, du Bourget, une équipe d'Air France, ils étaient une petite douzaine, sont partis, ils ont traversé l'Atlantique en bateau, à l'époque ils allaient en bateau, ils sont arrivés aux États-Unis, ils ont pris le train, ils sont allés jusqu'en Arizona, ils ont loué des vols, ils sont arrivés, l'histoire est phénoménale, ils étaient passés par l'ambassade, le bureau commercial de l'ambassade des États-Unis à Paris, ils avaient un pont pour récupérer ça. Ils sont arrivés sur un aérodrome, c'était des airs, avec des avions alignés par centaines, et puis il y avait un type qui était là, un officier dans une espèce d'avion court, qui était là, ils sont arrivés, ils ont tendu leur main en disant bonjour, on est français, on vient chercher nos DC-3, et le mec leur a répondu, ben ça arrive. Et donc ils ont commencé à chercher dans ces alignements de centaines d'avions, ils ont essayé de faire un peu un tri et de faire en sorte de ramener, de choisir 24 avions avec un
des heures de vol, enfin disons des avions équipés de la même manière pour avoir une certaine homogénéité. Et puis ils ont passé des semaines, et puis au bout de quelques semaines, après avoir mis de l'essence dans des avions, les avoir fait tourner, avoir volé avec, et s'être assuré que ces avions pouvaient être envoyés à travers l'Atlantique Nord, ils les ont ramenés. Ils les ont ramenés où? Ici, au Bourget. Dans les hangars qui sont derrière nous, là sur la droite, devant ces hangars sont arrivés ces DC-3. Et ça a été la renaissance d'Air France immédiatement après la guerre. Ça a été partout pareil, hein. Les Anglais de British European Airways en ont fait autant, les Anglais de British Overseas Airways Corporation en ont fait autant, les Italiens d'Alitalia en ont fait autant, les Allemands de Lufthansa aussi recommencé à voler à la même époque en ont fait autant. La planète entière est allée faire son marché aux États-Unis, a ramené ses DC-3 et ainsi mener le transport aérien tel que nous connaissons aujourd'hui.